je sors de blessure, je m'étais luxé le petit doigt. Donc là, il n'y a pas trop le choix, on va dire, pour éviter que celui-là il parte. Une nouvelle étape avec de nouveaux objectifs, donc voilà, on va préparer ces éliminatoires qui vont être importants, peu importe l'adversaire, c'est ce qui va nous permettre de se qualifier pour l'Euro, donc il faut les prendre sérieusement et jouer match après match. On rajoute la communication entre vous, c'est bien. Donne-toi de l'espace, ça. Ouais, pas mal. Oui, pas mal, Pauline, encore. Ouais. 2, 1. Oui, pas mal, oui, pas mal. On est joué. Ça, c'est pour encore lancer. Ok, attendez Carlan, je vous collez. Ouais. Tu dois pas être surpris. La frappe elle a été forte. Le ballon est reparti en jeu. Il doit faire quelque chose. Le blanc. Allez, va. Change. Allez. Blanc. Va vite. Ok. Blanc, reste face au jeu. Blanc, change de direction, reviens vite. Très bien. Se stabiliser, bloquer, repartir dans une autre direction. Ça. Non. Allez. Encore, attention ballon. Encore ça là. Allez. Debout. Encore. C'est un club de passionnés, c'est un stade où il y a la passion, ça vibre, donc j'espère que ça va vibrer, ça vibrera demain. Hein. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être en sélection jeune de 17 ans jusqu'à espoir et du coup c'est cool de voir l'équipe de France féminine anime. Moi je connais très bien Corinne Diacre qui m'a eu à Clermont, c'est elle qui est venue me chercher pour mon premier prêt à Clermont et voilà, on est resté encore en contact énormément donc c'est avec beaucoup de plaisir que je la retrouve. Mon petit doigt va mieux. Trop bien. Elle a pas eu de pas beaucoup.